Hey, salut tout le monde, c'est No, c'est on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Season Sky. Aujourd'hui, on va faire du build, mais en première partie, il y a quelque chose qu'il faut que je continue d'avancer. Puisque, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, on a encore agrandi l'île. Là, elle est désormais de niveau max. Sauf qu'on euh, ne prend pas le temps de continuer à l'agrandir. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse terminer les deux plateformes en cobble. Alors, je ne sais pas si dans cet épisode j'aurai terminé, parce qu'il va me falloir vraiment un gros, gros volume de cobble. Mais euh, j'aimerais bien pouvoir continuer de l'avancer. Donc, je vais déjà commencer par agrandir ça. Une fois que j'aurai euh, continué. Là, en gros, la taille qui était 7. Là, on est niveau 8, mais euh, avant, c'était 7. Il Reste que cette partie là à faire une fois que ça sera fait, on pourra attaquer euh, le dernier tour qui est donc la dernière euh, 50 par 50 en gros. Donc je vais faire ça. Euh, N'hésitez pas à vous abonner et puis bon on se retrouve pour attaquer du build juste après. Et donc on se retrouve, on est euh, quelques jours plus tard. En gros, euh, j'ai tenté de poser de la cobble, euh, honnêtement, j'ai pas encore du tout tout posé. Euh, j'ai quand même passé deux trois soirées à faire ça et ça prend. Énormément de temps euh, Là je crois que je suis au bout Ah non bah voilà vous voyez il me reste encore potentiellement ça euh, Je crois qu'il en reste un bout là-bas Et il reste tous les tâches d'en dessous Ça va être hyper long Donc je pense que désormais au pire je vous dirai quand j'aurai fini euh, Mais euh, j'arrêterai de vous en parler jusqu'à ce que je termine Donc maintenant pour cette deuxième partie Je voudrais euh, rajouter un nouveau bâtiment euh, Entre guillemets un bâtiment euh, Moins euh, comme cela mais plutôt euh, Un peu je verrais ça comme un Pff, Comment dire un peu Un truc avec des poteaux où je pourrais mettre les écloseurs euh, vous allez voir au fur et à mesure qu'on va avancer ensemble mais euh, ma logique elle serait que actuellement on a les écloseurs qui sont là euh, en soi quand on regarde comme ça euh, bah c'est pas si ouf et moi j'aimerais caler ça dans un bâtiment euh, un peu euh, aéré <laughs> Je... voilà vous allez voir vous allez comprendre au fur et à mesure donc ça veut dire on va euh, mettre le bâtiment. Alors je me dis, est-ce qu'on le met ici ou est-ce qu'on le met euh, peut-être plutôt par euh, là euh, Si je réfléchis en termes de géographie, là on aura un chemin. En vrai, le plus logique, ce serait ici. Hein. Je pense qu'on va le mettre là, euh, ça, déjà parce que j'aurai de la place et euh, ça va être plus adapté. Donc, en termes de ressources, je vais acheter. Bah, acheter Alors non. Je vais regarder déjà par rapport à ce qu'on a. Est-ce que là, on a des stocks de cobble Non. Euh... Ok, en vrai, ça, ça devrait me suffire. Ouais, je pense que ça devrait me suffire. Après, sinon, on a des stocks de cobbles, hein, mais. Euh, ok. Ensuite, euh, je vais faire un slash shop. On va acheter. Alors, ça va être. Euh, euh, ce bois-là, je pense, qu'il serait bien. Ça, ou alors le bois de mangrove. On va faire bois de mangrove. Allez, on va faire. On va se prendre euh, 4-5 stacks, je pense. Ok, et je pense qu'avec ça on va déjà pouvoir commencer. Donc, euh, là, l'idée elle est de transformer tout ça en ça. Ok. Donc, ensuite, euh, l'idée elle est de se faire quelques escaliers. Euh, pas des masses, des masses, mais un petit peu quand même. Tac, et on va mettre ça ici. Ok. Euh, et il me faudra une hache pour euh, écorcher. Euh, euh, et comment on dit ça euh, C'est pas écorcher, c'est. Euh... Bon, enlever l'écorce. Hein. <laughs> si, c'est écorcer. Ouais, écorcer, c'est ça. Donc, mon idée, elle serait d'avoir quelque chose un petit peu dans ce principe. Alors, je vais essayer. Euh, mon idée, elle serait de faire, on va dire, quelque chose. Alors, attendez, que je ne me colle pas trop au bâtiment. Là, ça me semble pas mal. Et euh, à mon avis, 3 de large, ça sera suffisant. Tac. Et mon idée, elle serait de faire quelque chose comme ça. En gros, on a escalier. Là, on aurait ça. Tac. On va remettre escalier. 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 Et en gros, là, l'idée, c'est qu'on a euh, bah, en gros une plateforme. Donc en gros, ça ferait quelque chose, par exemple, comme ça. Je vais faire euh, que les lignes un peu principales, comme ça, vous allez voir un peu l'idée. Euh, donc là, j'aurais fait 2, 4, 6, 8. Allez, on va faire un nombre, rond, on va faire 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, là-bas, j'ai fait 2, 4, 5. Donc 2, 4, euh, là, évidemment, les calculs sont pas bons. C'est bon, comme ça. Hop. Ok, voilà. Donc, ça fait 3, euh, ça fait 9 au total. Donc, là, on a dit ça fait 3 escaliers et 3. Tac. Et ensuite, on repart. Et en gros, mon idée, elle est de faire euh, une genre de croix, on va dire, comme ça, sur laquelle on va donc, être surélevé euh, comme à ce niveau-là. Là. En gros, où là, je vais pouvoir mettre genre, euh, bah, des écloseurs, par exemple, sur euh, un ici, un ici. Un ici, un ici, et un là-bas et là-bas, et puis un au centre, par exemple. Et euh, par-dessus, rajouter en gros toute une toiture. Donc, vraiment, on rajoute des piliers euh, ici, et on met un toit par-dessus. Voilà euh, un peu l'idée. Donc, je fais la base, on se retrouve dans quelques secondes, et comme ça, après, on passe au poteau pour voir un peu l'idée que j'ai. Ok, donc là, on commence à être pas trop mal en termes de plateforme. Euh, il va falloir que je me refasse de la pierre, parce que là, je vais encore pas en avoir assez. Alors. Du coup, comme ça, déjà, vous voyez un peu l'idée. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais poser euh, toute la surface sur le dessus, là, histoire que ça, ça soit rempli. Mais en gros, voilà un peu le schéma. Normalement, je suis symétrique, euh, ça doit être bon. Ouais, ça me semble OK, parfait. Et euh, voilà, en gros, l'idée, c'est que là, je remplis ça, et par-dessus, on va rajouter les poteaux. Donc, je pose tout le sol, et on se retrouve juste après. OK, bon, ça me plaît un peu mieux déjà. En fait, j'ai rajouté aussi une barrière sur le dessus. Ça rajoute quand même un petit peu de relief. C'est un peu plus sympa, je trouve. Donc, maintenant, mon idée elle serait de pouvoir mettre, euh, on va dire, des poteaux. Donc, potentiellement, on va essayer de voir ce que ça donne en mettant euh, ce bois-là. Donc, on va essayer de pas faire un truc trop, trop haut non plus. Euh, je pense peut-être pas. Beaucoup plus haut que ça parce que j'ai pas envie que ça soit non plus un truc immense comparé aux autres bâtiments. Euh, sachant que j'aimerais bien faire une partie un peu plus haute sur le milieu, donc euh, je veux pas un truc immense quoi. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais faire des tests en hauteur, euh, sachant que là je peux faire 1, 2, 3 poteaux potentiellement. 1, 2, 3 poteaux, et après c'est pas logique que ce soit là. Donc euh, 1, 2 poteaux, 1, 2 poteaux. Ah, on va encore tomber sur un nombre qui est pas logique. Euh, si je fais 3, ou alors je fais 3 puis 3 et là je mets pas de poteau, on va plutôt faire ça comme ça, tac, donc en termes de positionnement ça ferait ça, on a dit ça ferait ça ici, ici et ici, ensuite là, mince, si je les mets dans le bon sens ça sera mieux, tac comme ça, donc on a dit comme ça, je vais y arriver, hein. vous en faites pas je vais y arriver. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, ici, ici, tac, 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 1, 2, 3, ici, 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 ensuite là. Là, une fois que j'ai le coche, vous avez vu, hein, ça, ça dépile. 1, 2, 3, tac, tac, tac. Ici et ici. Voilà. Donc maintenant, en termes de hauteur, je pense que quelque chose comme ça, c'est largement suffisant. Euh, parce qu'en gros, euh, moi, là, ce que j'aimerais, c'est presque. Euh, si on peut, ça serait de faire quelque chose type. Euh, alors, je vais le faire entre guillemets euh, un peu euh, à l'arrache. Mais mon idée, elle serait d'avoir un peu quelque chose comme ça. Euh, tac. Ouais, et qui serait donc comme ça. Ok, voilà. Et comme ça, là, moi, par-dessus, ça fait. Vous voyez, ça fait une légère arche. Mais euh, moi, comme ça, par-dessus, après, là, je peux mettre un bout de toit. C'est un peu ma logique. Donc, on va essayer ça. On va voir ce que ça donne. Euh, D'ailleurs, je vais peut-être en profiter. Euh, je crois que je peux faire P. Euh, ouais, c'est ça. Euh, P, time, et 7 euh, day. Comme ça, on aura. Euh... Ah, Pas trop l'air de marché. Alors, is yes, settings. Ce que je me dis, si on a le jour, euh, ça devrait. Voilà, ça devrait être plus agréable pour build et on mettra la nuit pour avoir l'ambiance après. ce sera plus simple. Donc, on a dit, on va faire quelque chose comme ça. Tac, on va mettre ici, ici. En vrai, ça va. Sachant que on pourrait euh, même, je pense, faire quelque chose comme ça. Hop là. Je, je tente. Hein, on va bien voir. Euh, comme vous le voyez. Je... J'essaye, je, je, c'est un peu le but. Euh, je sais que je suis pas parfait, il y a des trucs euh, largement à améliorer, mais au moins je tente, c'est déjà le début. Euh, et puis après, euh, je compte sur vous potentiellement pour me dire, c'est pas ouf! <laughs> Clairement. Ok, donc là ça fera quelque chose comme ça. Ok, donc ça veut dire qu'ensuite si je fais ça, ça, hop, comme ça, ensuite on peut faire la même chose ici. Tac, tac, on peut faire la même chose ici. Ok. Et donc là, ça fait quelque chose comme ça. Ok, donc ça fait tout un bloc qui, est, euh, qui a des arches. En fait, ça m'embête parce que euh, limite, j'aurais envie de dire que je trouve ça moche de mettre ça là. Ceux-là Pour moi, ils, ils apportent rien en fait. Donc je vais les enlever. On va faire euh, un peu autrement parce que ça m'emballe pas en fait de voir ça. Je, je sais pas. En fait, pour moi, ça fait tâche. Euh, dans le monde idéal, j'aimerais euh, des bûches taillées en escalier avec l'aspect de la bûche. <laughs> ça serait le plus pratique, mais euh, ça va pas être possible. Donc voilà un peu l'idée. Euh, si je, ouais. On... Par contre, le... c'est vrai que le bois de mangrove quand il est écorché comme ça, mais quel bonheur, quel bonheur, sachant que du coup je peux aussi en profiter pour les mettre alignés avec cela. Euh, donc celui-là, il en fait partie aussi. Tac. Bon, je vais poser tous les poteaux. Je vous mets un petit accéléré et puis comme ça, on se retrouve juste après. Donc là, on commence à voir quelque chose qui est quand même pas trop mal, sachant que je pense qu'on peut en profiter pour raccorder au moins les deux ici, histoire que extérieurement on ait l'impression que ce soit relié, même si ça se touche euh, entre guillemets comme ça en angle. Je pense que ça va rajouter le petit, la petite liaison. Euh, donc là, maintenant, mon idée euh, ça va être de pouvoir euh, en fait, là ce que j'aimerais, c'est pouvoir en gros réellement faire quelque chose qui part comme ça. Tac. Euh, donc peut-être pas plus haut que ça. Euh, à voir ce que ça donne. On va peut-être rajouter un quand même. Tac, on va faire ça aux quatre coins. Et euh, mon idée, ça serait que ce ne soit pas forcément euh, ajouré sur la partie du dessus. Euh, je me dis, pourquoi pas euh, rajouter par exemple des murs blancs, un peu comme on a pu faire pour ici par exemple. Euh, parce que je pense que ça peut ajouter un petit truc sympa. Alors du coup, si je mets ça comme ça, ah, là, je puis en avoir en stock. Slash shop, on va racheter du bois de mangrove euh, ici. On va reprendre trois stacks au cas où j'en aurais besoin pour autre chose. Ok. Donc, si maintenant euh, je pose... Alors, on va remettre ça en rouge. En vrai, le rouge rend vraiment bien. Pour faire le thème dans lequel on est, je trouve que c'est hyper adapté comme couleur. C'est vraiment superbe. Vraiment, vraiment superbe. Donc, tac, 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 tac. Ok. Super. Donc, si on prend du recul, là, on a euh, un vieux bâtiment. <laughs> euh, effectivement, euh, vu comme ça, c'est pas ouf. Euh, du coup... Mon idée, elle serait donc de pouvoir mettre, donc on va l'acheter, on va voir ce que ça donne. Euh, donc, euh, dans les blocs, on va pouvoir prendre du béton, je pense, ou alors on peut prendre de ça, euh, un truc un peu clair avec un truc un peu blanc, ou alors on fait du béton blanc, on va faire ça. On va faire euh, du béton blanc et on va faire du... Ah, c'est chiant à chaque fois, ça revient. Et on va faire un euh, marron. Je pense que ça peut bien se marier avec. On va prendre deux stacks, je pense que ce sera suffisant. Donc, on va faire comme ça. Et là, mon idée, elle serait d'avoir un peu un... Alors, on va essayer comme ça. Tac, ça tombe bien. On est pile dans le bon nombre. Euh, donc, ça ferait quelque chose comme ça. Ok. Et euh, le reste, on le comble en blanc. On va essayer comme ça. Je vais vous montrer. On va regarder ensemble ce que ça donne et si ça me va. Alors, voyons voir. Ça ne m'emballe pas. En fait, ça ne m'emballe pas pour ça. Donc, on va le mettre juste en blanc et on fera juste un séparateur marron et ça sera suffisant. Ça sera suffisant. suffisant. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Et je pense que là, de l'extérieur, c'est bien mieux. Ouais, c'est bien mieux. Je préfère comme ça. On va quand même mettre la ligne marron en dessous parce que comme ça, au pire, d'en dessous, elle se verra. Euh, DAC, on va faire ça ici. Hop, on va pouvoir combler comme ça. Rater, évidemment, raté, évidemment. Rater. Allez, hop. Bon, je vais continuer. On va continuer à mettre tous ces bords. Tac. Je vais essayer d'être rapide pour pas que ce soit trop long pour vous. Mais en fait, il euh, y a certains builds où je me dis, mais bah, en fait, euh, je préfère vous le partager. C'est plus sympa. Euh, là, comme ça, un peu, vous pouvez presque... J'ai l'impression que je pourrais presque le faire en live, si je pouvais live. Euh, parce que là, euh, je, je, je m'explique en même temps que je fais. Et euh, du coup, euh, ça me... Vous permet de voir comment je réfléchis. C'est pas forcément la meilleure façon, hein, au passage. <laughs> Donc, alors, maintenant qu'on va voir ça qui est bon, voyons voir ce que ça donne. Ok. Donc, là, l'idée maintenant, elle serait de pouvoir ajouter des toits. Sauf que je le sais, je vais galérer. Donc, pour ajouter des toits, je pense que je vais les faire tranquillement en off pour me poser sur la réflexion. Globalement, je pense que je vais essayer de faire un peu un principe comme ça, mais adapté à ce format-là. Euh, je vais voir comment je m'en sors et je vais en profiter pour ajouter toute la partie relief. Et on se retrouve après, comme ça on déplacera les écloseurs pour venir les mettre au milieu des trucs et puis faire l'éclairage et choses comme ça. Mais euh, je sais que là je vais galérer sur la structure du toit, donc euh, autant que je le fasse en off plutôt que ça vous prenne 15 minutes de vidéo où il n'y a que moi qui galère à faire un toit. Voilà, donc je vais faire ça, allez à tout de suite. Ok, bon, bah, ça commence à me plaire un peu plus déjà, on commence à retrouver euh, un peu ce que j'avais imaginé. Euh, je pense que ce qui va être plus dur pour moi maintenant, ça va être de mettre un peu de détails. Alors de, déjà, il y a les premières choses qu'on va pouvoir faire, c'est rajouter des lanternes à tous les coins là. Euh, au moins ceux du bas. Je crois que ceux du haut, je pourrais pas en mettre parce que c'est euh, pas le bon alignement avec les blocs. Mais euh, à minima, je vais déjà pouvoir en mettre là. Euh, Est-ce que voilà, il m'en reste un ici. Mais là, je crois que je peux pas. Au pire, je peux pas là non plus. Euh... Là, je peux. Eh bien, allez, on va les mettre là. Ça ne sera pas horrible d'en avoir deux. Les unes à côté des autres. OK. Tac. Super. Comme ça. Et OK. Donc là, on est good. Maintenant, euh, j'ai pris quelques chaînes avec moi. Et on va... Alors, vu que j'ai fait par trois, ça veut dire que normalement, ici, je peux rajouter une torche. Chouette. Ici aussi. On va faire la même chose là. Donc, euh, celui-là. Et celui-là. Et en soi, est-ce que j'en mets une à l'entrée ou ça ferait bizarre oh, Ça serait peut-être bizarre, je pense. On va en mettre juste ici, ça sera suffisant. Tac, euh, ici. Ensuite, on met. Euh, donc, on a dit là et là. Hop et hop. Et les deux dernières qui vont aller ici et ici et là, on va pouvoir mettre. Hop, si j'y arrive. Voilà. Et ici. Ok, chouette. Donc là, on a l'éclairage de partout. Maintenant. Euh, on va déplacer les il euh, Faut que je vide un peu mon inventaire. En vrai, je vais slash trash une bonne partie des choses, je pense, parce que ce sera plus simple. Euh, tac, 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 tac. Normalement, j'ai plus rien besoin. Je vais juste pas jeter les lanternes. Euh, parce que ça, c'est toujours chiant à crafter. Donc, je vais les remettre dans les coffres. Mais le reste, honnêtement, euh, comme certains diraient, flemme. <laughs> tac, donc on va remettre ça ici. Et on va mettre les torches là aussi. Donc, maintenant, euh, ma question, c'est euh, comment j'organise ça On a euh, combien de closers à placer Je crois 8, euh, 2, 4, euh, 6, 8, effectivement. Donc, ça veut dire qu'on doit en mettre... Euh... <laughs> en vrai, je pense qu'on va en mettre, genre, un là, un là, un là, un là, et qu'on en... Donc, ça en fera 4. Et ensuite, on en mettra un au milieu, ici en milieu là-bas et ainsi de suite. On va faire ça, je pense que ce sera pas trop mal. Alors, euh, du coup, le problème, c'est peut-être que je vais devoir les vider. Euh, parfait, celui-là est vide. Donc, on retire le pet, on, on retire la machine. Voilà, très bien. Et euh, en soi, on peut même mettre ça en dessous, parce que ça fera un peu d'éclairage. Donc, on va le mettre. Euh, on va le mettre le premier ici. Donc, up, et closer, et ensuite celui-là. Donc là, normalement, c'est relancé. Ok, donc ça fait comme ça. Ouais, c'est chouette. Avec le, le bloc en dessous, ça va être très bien. Euh, espérons que tous les autres soient ok. Parfait, ils ont été vidés récemment. Eh bien, je fais tout l'échange et on se retrouve juste après. Eh bien, voilà. Franchement, je suis vraiment content de ce que ça rend. Euh, j'ai rajouté ça. Je viens de rajouter un peu de bois de mangrove aussi pour que ça ajoute du relief. Euh, et je trouve que ça rend pas mal. Et j'ai laissé volontairement cette bûche-là dans ce sens-là. Vous voyez, ça, ça rend plutôt pas mal. J'aime vraiment bien. Et donc là, on a désormais le bâtiment avec les 8 écloseurs. À Moins de changement de règlement du jeu, il n'y en aura pas d'autres à mettre puisqu'on a atteint l'IS limite max qui est de 8. Et euh, vu qu'on est euh, maxé en prestige deal, et ben en fait normalement il n'y en aura pas plus. Donc j'ai mis euh, surtout les euh, ceux qui farment l'émeraude, ils sont tous euh, les 4 au milieu là, et après chacun farm euh, un truc différent. Si je dis ah, bah alors du coup on en a 5. 5 qui font de l'émeraude, ah oui, effectivement. Donc il y a cinq qui font de l'émeraude, un qui fait des morues. Un qui fait du miel et un qui fait, celui-là, il fait du copper. Je ne sais pas pourquoi il fait du copper, mais il fait du copper. Voilà. Et du coup, ben, je trouve que ça rend plutôt bien. Si maintenant je prends le bâtiment dans l'ensemble, je trouve que c'est chouette avec les écloseurs au milieu, c'est pas mal. Euh, si je devais euh, émettre des points d'amélioration, pour moi, ce serait vraiment désormais la partie euh, en, brique, euh, en stone brick qui est ici. Qui pourrait être un peu amélioré quand même, mais, euh, mais le reste me va très bien. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et si surtout vous avez des idées pour l'amélioration de cette zone là, là parce que c'est ce qui pourrait être amélioré, je pense. Le reste me convient plutôt bien. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire. Pour info, euh, à partir de la semaine prochaine, du coup, je réduis le rythme de vidéo sur le serveur. Alors j'arrête pas, hein, c'est juste que j'ai une nouvelle série qui va arriver sur le serveur euh, qui est fortement attendue depuis très très longtemps. Certains qui suivent la chaîne assidûment sauront. Euh, et du coup, euh, je vais en gros faire une semaine sur deux. Donc la nouvelle série commence samedi prochain. Et le samedi d'après, ce sera du season. Puis le samedi d'après, la nouvelle série. Et ainsi de suite. Voilà. Donc vous étonnez pas. Et je pense que même dans la prochaine vidéo, pourquoi pas, on fera une visite des plus belles îles du serveur euh, épisode 2. Je pense que ça peut être chouette. Ça fait un petit moment qu'on a fait l'épisode 1. Et je pense que depuis, il y a sûrement eu des nouveaux builds très sympas. Donc, je pense que ça pourrait être chouette de faire ça. En tout cas, voilà, on va pouvoir cesser là-dessus. J'espère que cette vidéo build vraiment vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire aussi. Et puis, bah, nous, on va pouvoir cesser là-dessus. Et moi, je vais vous dire à la prochaine. Salut tout le monde, c'était Nos. Salut!